Les aventuriers se sont réunis après des manérances. Ils ont infiltré Mirage avec l'aide du chef de l'église du sang. Le plan est simple, rentrer dans la villa de la guilde des intendants. Ils ont déjoué des armures enchantées et ont croisé un monstre. Ils sont désormais proches du but. Mais un autre danger les guette. Théo, tu passes devant le garde avec sa hache massive qu'il abat sur toi. C'est une attaque d'opportunité, fais-moi s'il te plaît. Un test d'esquive ou de parade. Tu choisis l'un ou l'autre. Si tu fais une parade, tu as ton bonus de bouclier. Si tu fais une esquive, c'est tu as 100. Tes couilles et ton couteau. C'est ça, donc ce sera la parade plutôt. La parade, c'est, en général c'est à ce moment-là que ça rate. Non, ça passe, 17. 17 in extremis, tu imposes ton bouclier. Tu l'opposes à cette puissante attaque, tes genoux fléchissent, tu tombes à genoux, avec le bouclier en l'air, tu te trouves dans la même situation que dans les souterrains lorsqu'il y avait les armures qui abattaient leurs lames sur toi. Tu es à genoux. Ça peut être tellement mal interprété, c'est délicieux. Pardon. Messieurs, c'est un nouveau tour, il n'y a qu'une seule personne qui pourra agir avant. Grenec, la Grenec. Je vais agir directement pour essayer de protéger Théo et de mettre un coup pour déstabiliser cette montagne de muscles juste devant moi. En visant bien les parties parce que c'est à peu près à la hauteur. Donc, est-ce qu'il a, tous les moyens est-ce qu'il sont a bons. Un bonus est-ce Il qu'il est en défensif. Non, est-ce qu'il a un bonus d'attaque de flanc? Parce que je sais pas, mais le... Je demande. Non. Est-ce que tu peux attaquer le flanc? Est correct. Donc, il a la maîtrise du flanc. Un joli flanc. D'accord. Absolument. C'est bon. Donc, vas-y, fais-moi ton attaque, s'il te plaît, Grunlek. C'est parti. 72, ça passe parce que c'est 80. Tout va bien. Donc, tu bondis, tu abats donc ton poing. Il va faire une parade avec le plat de sa hache énorme. Je sais pas pourquoi à chaque fois je dis énorme. J'aurais pensé qu'il aurait paré avec son bracelet bouclier en fait, entre guillemets. Non, avec le plat de sa hache. Parce que pareil, avec le plat de la hache, c'est quand même ultra tendard. Putain, il réussit. Surtout que c'est une grosse hache. Absolument. D'accord. Il retire sa hache de ton bouclier alors que tu es fléchi, Théo. Il oppose ça à l'attaque de Grunlek. Vous retrouvez deux autour et il se met immédiatement en offensif. Et il va faire une attaque rotative. Est-ce qu'il prend une pause Jojo après la parade? Fou, il fait Wamou. À la tourbilol, les gens qui n'ont pas de skill, c'est ce qu'ils font, bien évidemment. Attends. Objection. S'il fait une attaque rotative, n'est-il pas gêné par le mur? Je pose, c'est honnête hein, comme question. Hein, Non mais c'est pas ton échec, c'est de faire le tour. Ah s'il fait un échec, il la plante dedans. Il fait une lune. Voilà, il maîtrise parfaitement l'espace et le temps. Donc, alors. Ça, je deviens matériel quand elle touche le mur. C'est ça. Il a une grande compétence d'attaque. Je réduis l'attaque à 40%. S'il fait 40% ou moins, il abat son attaque sur. Alors, si deux personnes, non, 30 ou moins, il touche. Les deux. Deux personnes. D'accord. En mode offensif. Et non. Vous êtes en défensif tous les deux? Oui, on est en défensif. 85. La lame passe à côté de toi. Tu fais un bond en arrière, Théo. Et tu vois toute la puissance du coup. Il passe juste au-dessus de toi. Et il vient se caler dans le mur. Grunlek, juste à côté de toi. Donc, il te refait la mohawk, tu sais. Exactement. Bien donc, taillé, quoi, vous êtes trois autres à pouvoir agir. Théo, Bob, Shin, si tu essaies de tirer sur cet adversaire avec les armes que tu as, le souci c'est que tu vas risquer de toucher Grunlek ou Théo. J'arrive dans la pièce, qu'est-ce qui se passe? Alors Théo est mort ou pas? Je rappelle que tu ne peux pas, à cause du chant magique, tu ne peux pas tirer de flèches parce qu'elles ne se cristallisent pas assez, elles sont trop liquides. Le truc, c'est que je t'ai donné auparavant deux couteaux filement ouvragés en argent. Non, ce que je veux dire, c'est que dans l'absolu, effectivement, il est deux fois plus petit, donc le fait de lancer un couteau, t'as peu de chances qu'il atterrisse dans ta nuque. Quand même, oui. Bon. Faudrait qu'il vise. Il y a un risque très mal. Ou le crâne. Ou alors c'est un échec. Je peux le tuer si je le chope. Décidez vite, vous n'êtes pas un point strat, les gars. Théo, t'es le plus proche de l'action, qu'est-ce que tu fais? Bah, je tape. D'accord. Très bien. Tu attaques donc... Avec un dé d'aventure. J'utilise un dé d'aventure. Il nous en reste que deux, gaffe. J'utilise un dé d'aventure. Je vais le one-shotter. Mais ça te permet pas d'augmenter la puissance. Écoutez, c'est maintenant. Allez, sortir ton coup en l'air. Allez, mais, c'est cool. Mais, on s'éclate.
Donc, ça passe ou pas? 40, presque réussi, presque réussi et 40. C'est une extrémiste. C'est une extrémiste. Donc, ça ne compte pas sur ce jet précisément. Et tu passes. J'aurais voulu faire posture en fait. Oui, bah oui. Alors, si tu avais un avantage, tu aurais pu influencer néanmoins ton le dé d'aventure. Ce mais qui on a le cas, parce que ton MJ ne te donne pas de points d'avantage. Ça, parce que le MJ a oublié la règle. Non, j'en avais pas un dans les tunnels à un moment. Non, t'as rien du tout. Non. Ah, j'avais dû le claquer. Probablement utilisé. Donc, tu abats ton épée, tu fais les dégâts, s'il te plaît, tu lances une 10. Non, mais. Et voilà. Donc, si tu veux, tu abats donc ta lame qui vient se figer sur son Est-ce que je peux faire un crime comme ça? Comme les tennisman, okay. Tu sais. Deuxième tour. Il regarde ta lame comme ça. Eh, hey, ça pique. Bob, Shin, Bob. Vous voyez néanmoins qu'il y a le jongleur ici qui fait un pas en arrière, il semble apeuré. Il a l'air louche ce jongleur. Dans le doute, tuons-le. Il est en train de se rapprocher de la trappe là. Shin, chope-le, je voudrais pas qu'il s'enfuie et qu'il prévienne d'autres personnes. Non mais je voulais jeter au milieu des deux, parce que ça peut être rigolo. Oui mais, de nous deux, c'est toi qui cours le plus vite. Très bien. Oui, non mais je vais juste balancer un couteau là. Ils ont quelle tronche ces couteaux déjà? Est-ce qu'ils peuvent vraiment bien blesser ou pas? Parce que j'hésite à lui balancer. Alors, dans les jambes en fait. Ils sont moins épais que des dagues, c'est-à-dire moins épais en termes de largeur de couteau, et ils font à peu près la même longueur. Donc ce sont littéralement des bons couteaux. Vas-y. Ils peuvent servir de couteaux de lancer ornés ou des couteaux de défense. Tu peux soit essayer de toucher une partie très précise de son corps avec un malus de 50, soit éventuellement essayer de le tirer dans les jambes avec un malus de 30. Épingle-lui la bite. Ouais, trop stylé. Pour l'instant, voilà, il a pas été un gars qui a été engagé, ça se trouve. Ah non, mais c'est un jongleur d'ailleurs, dans l'absolu. C'est comme si, en gros, il y avait un passant qui se retrouvait dans une scène où vous attaquiez un ennemi et le passant il recule. Oh mon dieu, c'est le plus long jeu de l'affaire. Vite. Réfléchissez à aller menacer la meuf, ça doit être elle en plus qui est responsable pour l'absence de magie ici. Donc vous allez, vous lui mettez un couteau sous la gorge en disant si vous arrêtez pas votre garde, on vous tue. Et puis voilà. C'est 5, 4. Ouais, 3. Mais le bouffon est suspicieux. Je laisse Bob s'occuper mais de la. Mais non, mais. Très bien, Bob va s'occuper. C'est bon. C'est décidé. Mais c'est écrit. La situation, elle a été statuée. Shin, fais-moi ton attaque. Tu fais avec le malus, je visais dans les pieds quand même, juste pour le blessouiller en fait. Les jambes. Plus, ouais. Si je peux le crucifier comme le Christ. Et ça ne marche pas. 80. Ça vient dans le mur, ça peut l'impressionner. Hein, si je reste tout stoïque en disant. Ici. C'est exactement ce que je voulais faire. Il recule, il se baisse et il va de l'autre côté de la trappe en se mouvant. Et Shin, tu as lancé donc la dague, il t'en reste plus qu'une seule. Et de là, la prochaine, c'est dans l'œil. Parce que là, j'ai fait exprès de rater. Hein? Comme prévu, très bien. Bob, que fais-tu? Je vais, puisque apparemment l'endroit qui est là sur la peau de l'ours a l'air d'être libre et que lui, il est un peu bloqué par les deux. Oui, je dirais que c'est les deux autres qui sont bloqués par lui, mais bon. Je vais m'avancer vers la demoiselle, l'air pas forcément menaçant, restant hors de portée d'une attaque d'opportunité, faut pas déconner si elle a un couteau ou une connerie, et je vais me m'accouder sur l'autre chaise, sur cette chaise-là, en mais lui adressant la parole. Mais c'est un truc utile, putain, Et tu veux que je fasse quoi? Que je la menace avec un bâton? Bah oui. Mais oui, ça peut faire mal. Ah, Bob, du regarde, coup, regarde, l'épée, elle a fait un point de dégâts, donc... Un bâton. C'est vrai que dans l'absolu, c'est l'infiltration. Et j'aimerais lui adresser la parole, la plus si badass, possible. Quoi. J'aimerais lui adresser la parole, si possible. Ok. Tu vois qu'elle se retourne, bien. Elle semble trafiquer quelque chose de l'autre côté de la couloir. Elle te regarde quand même. Qu'est-ce que tu fais? Ce que je constate, c'est qu'avec le bruit que nous avons fait dans la pièce précédente, personne n'est venu, donc vous savez pertinemment que nous sommes ici. J'aimerais savoir ce que vous avez à nous proposer et qu'est-ce que vous trafiquez. À ce moment-là, elle se retourne, tu vois ce qu'elle était en train de trafiquer, justement. Elle se retourne avec un verre de liqueur et une olive avec un pic à l'intérieur. Elle te le tend. Vous voulez des apéricubes ? Mettez-vous à l'aise. Je vais rester koi pendant une demi-seconde, voire une seconde complète, et je vais m'installer, écoute. Je vais me poser dans le siège, vas-y, pépère. Je vais... Putain, franchement, le verre, je te le fais avaler, l'olive, je te le mets dans le cul, quoi. C'est un truc de combat, quoi. Et je vais lui dire en acceptant l'aide,
Je vais lui dire en acceptant le verre, je vais faire... Écoutez, j'avais autre chose en tête, mais pourquoi pas. Après tout, je n'aime pas mes amis, s'ils meurent de la main de ce troll. Non, mais soyons honnêtes, j'ai confiance en vous. Vous pouvez bien gérer une montagne de mustes, un clown et un scribe. Non. Faut pas déconner, surtout quand je n'ai pas de magie, les enfants. Ouais, je vais hurler au troll, tout, c'est lui notre chef, en pointant Bob. Comme ça, quoi. Nouveau tour, messieurs. Il a dit du mal de ta mère. Il y a qu'une seule personne. Nouveau tour. Oui, il y a qu'une seule personne qui peut agir. Allez, dites-moi. Bah c'est pas au boss là. Non. Alors, il y avait une personne qui peut agir. Ouais. Est-ce que le scribe agit plus, Fred? Nouveau tour, il y a qu'une personne qui peut agir. Oui. Oui. Avant lui. Avant les ennemis, puis nous. D'accord. 5, 4, 3. Je vais reculer et je vais faire ce que Bob il veut pas faire. Dans ce cas-là, je voulais me diriger vers la nana. Le scénar, tu veux dire. Alors, dans ce cas-là, je propose que ce soit Grunlek qui agisse en premier. Et que ton action pour reculer et menacer la nana vienne après l'attaque du troll. Ouais, un Falcon Punch, ouais. Ah non, mais moi je joue au vote, hein. Tu veux jouer à ça, Théo? Tu veux jouer à ça? Moi je demande la majorité. Non, c'est vrai que c'est plus logique dans ces cas-là que je frappe, que je fasse une action utile, que toi qui juste te déplaces et qui utilise notre première action. Vas-y, c'est ça, parce que si tu le mets en déroute, il pourra plus s'occuper de toi, Théo. Donc, sauf si tu veux attaquer, Théo, après tout, tu fais plus de dégâts. Si tu veux attaquer, tu peux jouer avant si tu veux, par contre, y'a pas de soucis. Mais je vais faire un dégât encore, donc. Comme tu veux, dis-moi. 3, 2, 1. Vas-y, joue. Grunley, ah bah d'accord. Tu joues? Je joue. Vas-y, j'y vais. Ok, allons-y. 70, ça passe. Ça passe, très bien, bah fais les dégâts. Ah, bah oui, c'est vrai. Donc 1 des 6 plus 2. Bah, il y a plus de. Je ferai pas 1 dégât. Elle fait déjà. Hein. Bah, elle fait 3, c'est tout. Voilà, 2. 4 de dégâts. Parfait. Donc, tu donnes un violent, mais néanmoins tempéré, coup de poing sur ses flancs. Il retire à ce moment-là sa hache. Bien. À moi. Il reste en offensif. Piqué, coller. Le temps qu'il fasse là, ça, je lui coupe la main. Moi, ça me fait sourire parce qu'il lui a fait l'équivalent de lui mettre la main aux fesses, en fait. Comme ça. Il. Fallait attaquer avec les deux doigts. Alors, c'est toi qui lui a fait les dégâts. En plus, il a l'air d'être en short, il a l'air d'être torse nul. Il se met en défensif. Les doigts de métal. Ah, quand même, il apprend. Ouais, il abat sa hache sur toi, Grunlek. Tu fais un Johnny Cage, tu fais un grand écart et boum, dans les boules. Il te touche. Ah, 72, il me touche, Je me permets une objection très légère, encore une fois, par rapport au pacing et à la salle. La seule attaque qu'il puisse faire sur Grunlek est une attaque verticale. On est d'accord, par rapport aux meubles, par rapport à choses. Peu importe. Très bien. Cette attaque verticale. Il peut faire une attaque desktop aussi. Oui, mais avec une hache. Avec une pointe sur la hache. Si c'est une hallebarde, oui. Il te bourre la gueule. Fais-moi ton test de parade, s'il te plaît. Allons-y, ça réussit à 60 ou moins. Seul à m'intéresser à la cohérence. 26, j'ai réussi. Pour une fois que j'ai fait une parade, c'est pas souvent ça. C'est pas souvent, j'ai peut-être ma deuxième depuis le début. Il se trouve qu'il fait une attaque en biais, donc ni de haut, ni une estoc. Il fait une attaque en biais. Il trouve la place où de faire une attaque en biais. Mais il a défoncé le fauteuil. Il connaît cette pièce, écoute. Et voilà. Donc, tu bloques cette attaque c'est avec le fauteuil qui s'est décalé en le voyant. Ça te permet de te retourner, Théo. Et quand tu te retournes vers là, qu'est-ce que tu vois? Tu vois qu'il y a ici le cher jongleur qui a levé la trappe à ce niveau-là. Et t'entends dans cette trappe. T'entends. Et tu vois bondir à ce moment-là des chiens sortir de cette trappe dans votre direction. Je pensais des chatons. Aucune t'es tellement kawaii comme ça. Aucune inquiétude. Aucune inquiétude les enfants, si vous vous souvenez de la manière dont on a traité les loups en début de saison. Je pense que là on va s'amuser. Oh putain. Oh c'est quand même des beaux molosses hein. Ah oui. Ouh. Ah bon il est moins beau là du coup. Il a rétréci. Alors. Oh merde, d'accord, ouais, j'ai rien dit alors. Oulala. Oh merde, oh bon, mon ça dieu, va. Il copule. Qu'est-ce que tu fais de l'air hyper féroce le dernier. Lâchez la meute. Je vais utiliser un dé d'aventure, je vais passer en forme élémentaire, je vais devenir une non, boule de foudre. Arrête de, arrête de claquer nos dés d'aventure. Oui, bah, c'est le deuxième dé d'aventure là. Pour rien, on en a plus qu'un. Quoi, c'est nos dés d'aventure, ce qui est à moi est à toi. Il est au casino le mec. Oh, mais je joue, ça va passer.
Il y a des chiens donc qui bondissent et qui vont probablement te bloquer la route. Qu'est-ce que tu fais, Théo? 5, 4, 3, 2. Bah, je peux pas, je voulais pas que je passe en forme d'élémentaire. On peut aussi. D'élémentaire. Ma forme d'élémentaire. Non, en plus, il y a une zone d'antimagie. D'élémentaire. Je suis le cœur de la cause de la zone. Tu ne peux pas à cause de la zone d'antimagie, tu ferais que claquer un dé pour rien. Donc charge-les et enfonce-les avec ton bouclier comme si c'était des petites filles. Je vais charger la meuf avec le bouclier, je vais lui foncer dessus. Mais si, je vais y arriver avec les chiens en train de me mordre sur l'armure comme ça. J'ai mon verre de cognac, elle me l'a donné avec l'olive dedans, tu peux y aller. Je lui fonce dessus, mais en mode plaquage Ruby Narbonne. Bah, il y a les deux chiens qui vont te saisir au mollet, mon très cher Théo. Ah, il faut que je fasse un jet pour ça, mes excuses. Absolument. Donc, le premier, au moment où tu passes, t'es en mode défensif, donc le premier, au moment où tu passes... Il rate complètement. 97. Et il se lèche les couilles. Il mord le mollet de son pote, je pense. Non, en fait, il bondit. Il va mordre le mollet. Il mord le fléau dans X-Men quand il y a Théo qui passe. Et il y a un craquement. Il pourrait jouer avec la tête du chien qui passe à côté. Et le deuxième passe à côté. Du coup, il s'auto-annule. Très bien. Parfait. Le deuxième passe pour essayer de te saisir le mollet. Exactement, et il fait... Ok, il te saisit, t'as le droit éventuellement à une parade ou une esquive. Une esquive, précisément parce que ton bouclier, tu l'as utilisé contre le premier. Comment ça, j'ai utilisé mon bouclier contre le premier? J'ai considéré que le bouclier, tu l'avais utilisé pour l'annuler, en fait. Ça passe, de toute façon. 50, ça passe. 50, ça passe, il essaie de te saisir au mollet, et au moment où il y a sa mâchoire qui se resserre dans le vide, et tu passes un peu, t'as l'impression de revivre la même séquence en fait, que dans le couloir en dessous, où tu passes à côté de tous les dangers qui essaient de te saisir, et t'es là, tu passes vers un mec qui, tu vois, qui croise les jambes, et qui a l'air d'être de moins en moins rassuré, tu sais, qui déglutit. Ah ouais, parce que là je suis saoulé, là j'y vais en mode c'est fini les conneries. Mais au contraire, c'est très bien, c'est très bien. Et reste le dernier chien qui attaquera au prochain tour. Très bien. C'est bien. Donc du coup, Théo, tu as agi, c'est ça? Oui. Bob, Shin, Bob. Alors, est-ce que je peux du coup, moi? Oui. Tu vois qu'il y a le Théo qui avance en mode Space Marine. Tout à fait. Je vais tendre mon bâton, juste d'assis, de là où je suis, hein, le tendre sur cette direction de manière à intercepter la route en espérant qu'il s'arrête, c'est le coup du bluff. Et je vais me tourner vers la demoiselle et lui dire: vous voyez bien que mon ami est un peu tendu, si vous avez des choses à nous dire, ce serait maintenant qu'il faudrait. Du coup, tu es le seul à entendre ça. Il dit, arrêtez-le alors. Ah non, c'est ça en fait le twist. Arrêtez-le, vous. C'est ça en fait le truc, c'est que arrêtez-le. Si j'étais un ninja, vous feriez moins le malin. Ah oui, mais là il s'avère que vous êtes une femme qui vous faites charger par un paladin de 200 kilos avec une armure complète et une épée. Très bien, de toute façon, vous n'avez pas le temps de faire plus de discussions. Ouais, en plus, que voilà. Ça. Chine, non, qu'est-ce mais que tu fais? Sous-jacemment, après, on sait tous que charger une femme ne tue pas. Voilà. Alors, du coup, Chine, qu'est-ce que tu fais? Chine. Justement, je vais balancer IC pour qu'il masque la vision. Si tu pouvais faire un assist, oh quoique. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Laissez 4, un de mes potes dans un bois, ça c'est une montagne de muscles. Ouais, écoute. Parce qu'il me reste qu'un seul couteau, j'aimerais bien le gérer, le garder avec moi parce que là, je vais me faire bouffer par les clébards quoi. 2. Et j'ai envie de suriner parce que j'ai pas de couteau, je peux pas générer de couteau. Ouais, mais j'aimerais balancer IC sur le visage de lui là. Du mec à la hache. D'accord, IC est très mal à l'aise, il se sent pas bien. Il se tourne vers toi avec cet air plein de sollicitude. Tu te rends, viens là, IC. Ne t'inquiète pas, tout va bien aller. Voilà. Et tu sais, il commence à dire des choses trop mignonnes, il est là. Oui, c'est ça. Vas-y, bah fais-moi ta compétence de lancer quand même. De lancer d'IC. Ça devrait être une compétence à part, ça, le lancer d'IC. Hein. Ouais. C'est interdit par la convention en vous-même. Juste te dire. Allez, zwing. 9! 9! Fly! Il aurait fallu que tu te mettes. Il est en mode offensif. Donc du coup, il y a IC qui vole, que ça... Avec de l'eau qui perle comme ça. Qui arrive sur et donc, le visage, c'est vraiment pour obstruer la vue de monsieur Lâche. Il explose au niveau de son visage, un peu comme une boule de neige en fait.
Ouais, ça fait la reine des neiges. Un peu jaune. Ça fait pas très badass, quoi. C'est ah, je t'ai eu. Bah, en même temps, il y a eu le 1 de Théo. Mais attends, tu rigoles, mais si t'as gagné un tour d'attaque pour Grunlec où il aura pas à se prendre un coup de hache. Un tour d'attaque, non, mais tu lui as imposé un malus. Au moins, ça, c'est surpris. Sûr. S'il est pas très stun, il fait. Ah, il est surpris. Donc très bien, tu viens de désintégrer. C'est ça qui se retourne. Et c'est de la neige en cette saison. Alors dans l'histoire, il y en a un qui envoie une boule de neige, l'autre qui charge une femme avec son bouclier, et le troisième qui boit un verre de martini avec une olive. Il a un chien attaché à sa jambe aussi. Ça n'a aucun sens. Moi, je vois un dessin animé comme ça, je zappe. Tu zappes, mec, t'as aucun goût. Moi, je vois un dessin animé comme ça, je dessine les mecs de manière à ce qu'ils soient musculeux avec un style de mode. Bref, c'est Jojo, mec. C'est Jojo, ça, ce qu'on est en train de faire. Très bien. Tout le monde a agi. C'est très badass. Et donc. Je veux qu'Aïssi fasse le cri de Worms. Comme ça. Alors, par contre. Nouveau tour. Je voulais juste demander, Maillard. Par rapport au fait que je lui ai dit à la gonzesse qu'il était temps de nous dire quelque chose d'intéressant ou quoi que ce soit, par rapport à la charge, est-ce que j'ai le droit à un jet de social ou à une intimidation. Pas une intimidation, mais est-ce que c'est la fille a le droit de tester un jet de mental pour justement parler ou pas? Casse le verre et plante-lui dans la gorge. Franchement. Parce qu'elle a pas répondu à ça. Dans l'œil. Parce qu'elle a pas répondu à ma menace. Hein. Enfin, à ma menace. Tu arraches l'œil et tu mets une olive à la place. Ça peut influencer son action. Ah bien. Vas-y. Social. Plus. Ah, je pensais que c'était elle qui le faisait pour résister à la terreur de se chier dessus, en non, fait. Non, ça, toi, ça va, non. Au choix. La classe, quand même. Des paladins qui la chargent. Des paladins qui la chargent. Social plus psychologie avec un malus de 20, s'il te plaît. Ça te fait 65 plus 15, ça fait 80. Moins 20, 60. Pas de problème. Ah, 18. Oui. Il s'avère que Théo est plutôt convaincant. Elle tend la main, comme ça. C'est bon, on va discuter, ne me charge pas. On va... Alors, il faut imaginer Théo comme ça, qui a... Et t'as chien aussi qui a... on va discuter, très bien. Écoutez, je ne suis pas votre ennemi. Je ne suis que messagère. Je ne suis pas votre ennemi, s'il vous plaît. Elle siffle et il y a les chiens qui sont là. Ils font une pyramide. Il y en a un qui essaie de te saisir et qui, du coup, fait un pas en arrière et remue la queue comme ça de manière agressive. Et il y a à ce moment-là le garde avec la hache qui a donné un coup en biais ni de haut ni en estoc. S'arrête devant toi, Grunlec, et il se retourne vers la nana. Bien. Il y a un statu quo. Qu'est-ce que vous faites? Nous sommes dans un nouveau tour décisif. Ça fait quand même deux rencontres majeures où vous essayez d'annuler le conflit. Il y a un moment, messieurs, il va falloir assumer votre statut de barbare et non négociateur à un moment donné, ou aller rentrer dans le tas. Mais il faut faire quelque chose. Donc du coup, je pose la question, est-ce que je peux prendre le premier tour de ce nouveau tour d'action? Avant que personne n'agisse et s'étrangle et s'arrache les chiens et les molaires et se décapite et se donne des coups de hache. Mais tout le monde est en posture un peu, en se regardant en chien de faïence. Il y a le molosse face à Grunlec. Grunlec fait alors... On se la donne pas. Il y a Shin qui est en train de préparer une deuxième boule de neige. Il y a Théo qui est en train de renifler... le moindre sillon de ride du visage de la nana. Et il y a le jongleur qui est en train de disparaître derrière la trappe qu'il a relevée. Qui, c'est pas moi. Bon. Bah du coup, je vais me relever, pépère. Je vais terminer mon verre d'une traite. Je vais le jeter au coin de la pièce, parce que c'est stylé, ça fait un bruit de verre brisé contre le mur. C'est classe. Et je vais la regarder, je vais faire bien. Maintenant que vous avez... Contenance, hein, quand même. Ah oui, bah bien sûr, c'est stylé. Maintenant que vous avez rappelé vos molosses et que mes amis ont décidé pendant une seconde de faire une trêve avec votre gargantueste garde du corps, vous allez nous dire ce que vous allez nous proposer pour nous sortir de cette situation. Ou devrais-je dire pour vous sortir de cette situation. Avec Théo qui lui grogne dessus, bien sûr. C'est ça qui est... Non, ça c'est bien. Le fait que tu sois à 2 cm sur le visage, genre... C'est tellement la violence. C'est presque un bonus en négociation là, que vous avez avec ça, Théo. Et là, il faudrait que tu t'approches et que tu lui frottes ta barbe contre sa joue. Mode... C'est toi qui me regarde. Elle cale ses paumes contre ton visage, Théo. Elle recule ton visage doucement. Ok, d'accord. On va discuter. On va prendre quelques instants pour discuter. Je vous prie de ranger votre arme. Déjà, dans un premier temps, je vous rappelle que c'est vous qui êtes chez moi
et pas l'inverse, c'est vous qui êtes les agresseurs. Je veux bien qu'on discute, mais donnez-moi l'impression, au moins l'illusion, que vous allez me laisser en vie. Alors, ah ben, il ne vous a pas son siège comme ça, avec ses sirottes, son alcool. Alors, dans ce cas, je vais le regarder et je vais faire « Croyez-moi, il ne vous a pas tué sur le coup, c'est beaucoup plus qu'il n'en a accordé à d'autres. Vraiment, là, dans l'état où il est prêt à discuter. » Ok. Très bien. Elle fait signe au garde, au molos de l'autre côté, qui surveillait quand même du coin de l'œil Grunlake. Et il pose sa hache par terre. Elle opine du chef et elle te regarde. Bon, très bien. Ce que j'ai à vous proposer, c'est quelque chose qui pourrait changer vos vies, tout comme elle pourrait changer les nôtres.